Excellences, chers membres de l'Académie, chers amis, mesdames, messieurs, je salue bien sûr tous nos invités, les représentants des institutions, ainsi que nos orateurs, dont la plupart sont déjà présents, et je salue également nos sociétaires et amis en cette circonstance tout à fait particulière. En effet, voici exactement 10 ans, à 24 heures près, soit le 13 octobre 2008, était fondée l'Académie catholique de France dans une double intention, mettre en relief et mettre en lien les forces intellectuelles individuelles et institutionnelles de France attachées à la grande tradition du catholicisme et à sa fécondité en des temps nouveaux. 10 ans après cet anniversaire est d'abord l'occasion d'exprimer notre gratitude envers les membres fondateurs, envers les 80 membres du corps académique, les 23 membres institutionnels, les 130 sociétaires individuels et les responsables des collèges régionaux qui tous constituent l'Académie et participent de son rayonnement dans un élan qui a été initié en réalité en 2005, 2006, 2007. De fait, la donnée germinale, sorte de préhistoire de l'Académie, remonte à ces années-là où, avec quelques collègues universitaires prêtres, tel le père Jean-Robert Armogat, ou laïcs, tel Edgardo Carosellin et Pierre Manon, nous avons voulu répondre à une situation nouvelle. Tout est parti d'une exigence et d'une intuition corollaire, exigence d'une meilleure visibilité publique de l'intelligence de la foi et de la qualité avérée des productions disciplinaires auxquelles elle donnait déjà lieu, se face à la méprise qui faisait de l'intellectuel moins l'homme d'une œuvre qu'un agent médiatique. L'intuition était de réunir des moyens institutionnels originaux capables de donner corps dans la durée à nos analyses et aux décisions que celles-ci appelaient. Nous engageons alors au début de l'année 2008 dans une direction qui était, et nous l'apprendrons beaucoup plus tard, 8 ou 9 ans plus tard, une direction qui était à la fois proche mais différente d'un vœu exprimé jadis par le cardinal Lustiger. Nous avons tenté de donner une forme concrète à cette intuition, portée que nous étions tous à des degrés divers, par la mémoire des Jean Guiton, Olivier Lacombe, René Raymond, Maurice Clavel et André Frossard, pour en citer que quelques-uns. Si nous avons hésité sur la dénomination à lui accorder entre Conférence européenne des intellectuels catholiques, Centre catholique des institutions académiques, celle que nous lui avons finalement réservée s'est imposée donc ce 13 octobre 2008 dans un vote unanime. Et c'est naturellement qu'ont été établis nos premiers contacts cordiaux avec le Collège des Bernardins. Je n'aurais cependant pas mentionné la totalité des énergies fondatrices de notre Académie si je n'évoquais la visite à Paris, en septembre 2008, soit quelques semaines auparavant, du pape Benoît XVI, visite dont nous savions le projet depuis plusieurs mois et dont nous voulions faire, ce qui fut le cas, un motif de stimulation. C'est dire qu'au cœur de cette fondation inédite, il y avait une foi ardente à l'écoute de la raison et réciproquement. On peut rappeler que notre Académie s'est d'emblée voulu catholique afin de marquer son enracinement objectivement confessionnel et de laisser ouvert un espace œcuménique. Elle s'est voulu également de France pour asseoir la collaboration des institutions catholiques de l'Hexagone. Nous nous félicitons de leur présence active. Permettez-moi de mentionner les 6 instituts catholiques de France, l'Institut d'études supérieures, l'Institut de philosophie comparée, l'École biblique de Jérusalem, les associations des philosophes chrétiens, des scientifiques chrétiens, des économistes catholiques, les Amis de Blondel, les Amis de Théière de Chardin, la toute récente Académie du Val-de-Seine, la revue Communio, la revue Thomiste et la revue d'éthique et de théologie morale. À vrai dire, le fait d'avoir bénéficié de plusieurs encouragements, tant sur le versant académique que sur le versant ecclésial, je veux ici mentionner l'encouragement immédiat du cardinal archevêque de Paris, André 23, tout cela a déterminé une rapide mise en place du cadre institutionnel, notamment par la création d'un conseil académique et d'un conseil d'administration. Depuis cette période, nombre de questions posées ont pris une tournure de gravité que nous avons, chemin faisant, ressaisie aussi méthodiquement possible. L'avenir et les fondements de l'Europe, la mondialisation économique, la massification migratoire, le développement des pauvretés en France et en Europe, la crise climatique, les mutations de la guerre, le défi transhumaniste, la nouvelle donne biotechnologique. 10 ans après, le bilan paraîtra éloquent. Nous avons publié 19 livres, nous avons tenu 20 colloques et journées d'études,
35 séances académiques. Nous avons produit avec KTO 250 émissions de télévision, des expertises pour le Vatican, la Congrégation pour l'éducation catholique et pour plusieurs évêques français. Nous avons publié 4 déclarations solennelles sur la fin de vie, les théories du genre, les orientaux chrétiens, la famille, et 3 déclarations sont à venir. La première relative aux états généraux de la bioéthique. Nous avons voté un texte qui sera tout bientôt mis en circulation dans l'espace public sur l'indisponibilité du corps humain, par lequel notre Académie alerte en raison et en amont sur les dérapages anthropologiques que les pratiques de la PMA et de GPA dans plusieurs États font déjà subir à la marche des civilisations. La seconde, texte sur la guerre et la paix, qui appelle face aux défis nucléaires à des choix rigoureux. Et un troisième texte, un troisième groupe qui travaille sur le sens du vivant. Pour autant, ce n'est pas vers le passé, mais vers le futur que dans ce propos liminaire, je souhaiterais principalement nous orienter. La problématique qui préside à ce colloque, avec le professeur Yvonne Flour et le comité scientifique ad hoc nous avons monté, y porte avec exigence raison et christianisme contemporain, vigile de l'espérance. Non moins l'esprit de la grande encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, dont nous célébrons, ces semaines-ci, le 20e anniversaire. C'était le 14 septembre 1998. Alors, espérance. Espérance, en effet. Mais de quoi parlons-nous ? Alors que le marxisme commençait à perdre de sa superbe théorique, c'était à la fin des années 50, Ernst Bloch considérait que le problème était désormais d'apprendre à espérer. Mais s'il était en réalité trop tard pour décliner ce qu'il appela alors le principe espérance, le principe Hoffnung, c'est que le discours des nécessités historiques, qu'on les appelle progrès, ruse de la raison, grand soir, avait funestement recouvert ce que le christianisme tentait, lui, depuis 20 siècles, d'instiller, notamment avec saint Paul, à savoir espérer contre toute espérance. Romains 4, 18. Injonction paulinienne qui résonne aujourd'hui comme si, à la fin des utopies, seule la rupture qu'elle annonçait, marquée du sceau de l'alliance entre le ciel et la terre, à mille lieues des enthousiasmes fébriles et surmontant les accablements ecclésiaux, comme si elle pouvait convoquer notre présent en harmonie avec l'impératif de Pierre, 1 Pierre 3,15, « Soyez pour votre apologian, pour votre apologie, soyez prêts à rendre raison, logon, de votre espérance, elpidos. » Ainsi s'entend l'enjeu de nos travaux pendant ces 2 jours, qui devraient mettre en relief ce que l'éminent philosophe des sciences, aujourd'hui disparu Jean Ladrière, appelait « l'espérance de la raison ». L'homme grec avait trouvé l'image de la raison dans l'ordre cosmique, le moderne dans l'entendement, puis dans le sujet, mais ayant quitté le ciel plus ou moins étoilé des hypostases anhistoriques, la raison se décline depuis près de 2 siècles comme raison historique, pour reprendre l'expression de l'épistémologue de la fin du XIXe siècle, Wilhelm Dilthey. Si, pour évoquer une épigraphe de Ernst Bloch, je cite, « la raison ne peut fleurir sans l'espoir », alors nous devons demander quel est aujourd'hui le moment des différentes rationalités, selon quelle espérance elles entendent fleurir. Nous parlons ainsi des rationalités théologiques, scientifiques, philosophiques, esthétiques, juridiques et pédagogiques. Ces choses ne sont certainement pas abstraites. Et leur enjeu n'est pas seulement spéculatif. Il concerne la position du catholicisme dans la cité et dans la culture qu'il a vocation à inspirer. Sans doute lui faut-il définitivement s'affranchir de ces 2 préfixes qui ont été imposés à son objectivation, voire même à sa propre réflexion, ces 2 préfixes étant « des » et « post ». Des institutionnalisations, des affiliations, des constructions, des enchantements, et de l'autre, post-modernité, post-métaphysique, post-chrétien, post-religieux, post-séculier et récemment, post-vérité. En tous ces préfixes, le religieux et tout particulièrement le christianisme fait figure d'objet marginalisé, quitté, relégué, déposé. On assiste, certes depuis quelques petites années, de façon précipitée depuis un an, à une démultiplication de diagnostics sur le catholicisme contemporain, les uns suggérant l'imminence d'un nouveau kairos, les autres relevant les effets négatifs de décisions prises en amont et en aval du Second Concile de Vatican. En tout cas, pour nous, c'est à l'écart des opinions, des doxailles ambiantes que se situe notre entreprise et qu'elle trouve ses étais dans les disciplines aux méthodologies éprouvées. Si la théologie, pour commencer par l'une des plus vénérables, a quitté depuis longtemps son statut prestigieux chèrement acquis de reine des sciences,
d'autres savoirs se sont portés candidats à sa succession, mais avec des fortunes passagères, qu'il s'agisse de la science des positivistes ou de certaines philosophies de l'histoire tentées par la totalisation hégémonique des intelligibilités. La théologie contemporaine, nonobstant les noms illustres qui en ont accompagné les développements, avant, pendant et après le Second Concile de Vatican, connaît une crise qui n'est pas simplement une crise de notoriété, même s'il est exact qu'elle est tristement et factuellement absente du champ médiatique. Plus profondément, la crise qui lui est propre concerne la crédibilité de son discours décliné en ecclésiologie, en sacramentaire, en christologie, en théologie des religions, un discours pourtant indissociable de l'intention essentiellement salvatrice, sotériologique du message divin et universel dont elle est dépositaire. En parlant de crédibilité théologique, la question se repose en effet, sous bénéfice de réévaluation, la question d'un exercice trop longtemps relégué et qui s'appelle l'apologétique. Apologétique dont la vertu principale, je le rappelle, est de traverser, de dialoguer critiquement avec tous les domaines de rationalité. Il reviendra au père Vincent Holzer, professeur de théologie systématique à l'Institut catholique de Paris, de nous faire part de ses réflexions dans la séance présidée par le père professeur Jean-Robert Armogat, membre de l'Académie catholique de France, de l'Institut, et dont le discutant sera le père Grégory Voimbé, vice-recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Nous attendrons également fin d'après-midi les lumières de Mgr Jean-Marc Aveline, président du Conseil pour le dialogue interreligieux de la Conférence des évêques de France, et les réflexions de M. Franquin Rauski, directeur de l'Institut Elie Wiesel, et de M. Tinck, journaliste et écrivain. En effet, le travail de raison dans le dialogue interreligieux n'est pas une option. Il s'impose dans plusieurs dossiers délicats sur lesquels nous aurons sans doute encore longtemps à débattre, tels que le statut herméneutique des textes sacrés, le théologico-politique ou encore les régulations institutionnelles. J'y ajoute ici le débat relancé au mois de juillet dernier par le pape émérite Benoît XVI dans un article de l'édition allemande de la Revue de Communio, que l'édition française vient de publier, sur la relation entre le judaïsme et le christianisme. Un article dans lequel il récuse tout impact doctrinal officiel de la théologie de la substitution et appelle à un nouvel approfondissement des implications de la nouvelle alliance en regard de l'ancienne alliance. Ainsi se pose et se repose la question de l'articulation entre le dialogue et la proclamation de foi. Si la proclamation opère dans le dialogue, quel espace le dialogue laisse-t-il à la proclamation ? Il faut reconnaître que la science moderne, pour changer de registre de rationalité, a voulu imposer, non sans succès, sa propre canonicité rationnelle dans l'appréhension du réel. Bergson s'en était inquiété dès les années 80, essai sur les données immédiates de la conscience, 1889. Mais la science contemporaine s'est faite récemment plus modeste, aussi bien dans le domaine de ce qui s'appelle toujours aussi curieusement les sciences dures que dans celui des sciences humaines. J'aime beaucoup pour ma part le mot de Michel Morange par lequel il traduit cette situation nouvelle, celui de science négative, par analogie à la théologie négative, là où la négation a pour fonction de renvoyer à un inaccessible à proportion des hypothèses que pourtant elle parvient à défendre. Encore faut-il identifier les différents types de pensée scientifique, mais nul n'ignore aujourd'hui le développement des mathématiques et ses incidences croissantes dans le domaine de la technologie, notamment en intelligence artificielle, pour laquelle, par exemple, les propriétaires d'Internet développent régulièrement de nouveaux algorithmes, mais aussi en physique, en mécanique quantique ou en résistance des matériaux. Les effets de la recherche mathématique portent aussi et plus que jamais la question des probabilités dans le domaine médical, que ce soit dans l'étude du fonctionnement du cerveau ou de la recherche sur le cancer, par exemple. Si donc, comme le dit Cédric Villani, le médaillé Fields, et aujourd'hui membre du Parlement français, si les mathématiques sont désormais omniprésentes et si cette omniprésence se renforcera encore dans les années à venir, alors il est grand temps de demander à ses agents principaux si leurs raisonnements sont voués ou non à la seule instrumentalisation technologique ou si, et si oui lesquelles, d'autres trajectoires de recherche sont envisagées. Google recrute, dit-on, beaucoup de mathématiciens, mais ils ne sont pas tous destinés à servir Google, alors quelles alternatives leur sont offertes au sein même de la raison scientifique ? Il reviendra au professeur Yves Paubeau, mathématicien et physicien de l'Académie des sciences, membre de notre Académie catholique de France, ainsi qu'au père François Heuvé, président de la chaire Théière de Chardin, au Centre Sèvres, lui-même physicien mais aussi théologien, de nous apporter leurs éléments de réflexion que cette problématique leur inspire dans une séance qui sera présidée par le recteur Thierry Magnin,
physicien et théologien également, et membre de notre académie. Ce sont des domaines de questions bien différentes, quoique apparentés, qui se posent dans le domaine des sciences humaines et sociales. On a pu dire qu'en regard des années 1960-1970, celles-ci étaient moins enclines à régner sur les autres savoirs et plus lucides quant à leurs propres limites épistémologiques. Alors que leurs présupposés philosophiques, avec leur lot de contingences historiques, ont été progressivement identifiés, je pense ici aux travaux de Dominique Dubal ou encore de Michel de Certeau, il est permis de leur demander quel est le périmètre de prétention légitime de rationalité qui préside à leur exercice, ou pour employer un langage, un lexique herméneutique, comment elles articulent les niveaux d'explication et de compréhension dans la ressaisie des phénomènes sociétaux, religieux et politiques. Parmi ces phénomènes, celui qui occupe une place considérable dans le champ réflexif, à savoir les médias, qui méritent également notre attention. Il reviendra au professeur François Théré, président honoraire de l'Académie des sciences morales et politiques et membre de notre Académie, puis à Jean-Louis Schlegel, directeur de l'Art du Esprit, membre de notre Académie, de nous éclairer à ces différents égards dans la séance qui sera présidée par le doyen Hubert Faes. On aurait tort de s'étonner assurément de voir associer le vocabulaire de l'art, de l'esthétique et le lexique de la raison. On aurait tort, car comme si la pensée et ses raisons avaient pu s'absenter des peintures impressionnistes de Renoir, de la pathétique de Beethoven, des sculptures de Rodin et des vitraux de nos cathédrales. Il est certes vrai que ce qui s'appelle art contemporain et qui véhicule des prédictions aussi géniales que celles de Kandinsky, aussi lumineuses que celles de Kim Il-jung, aussi perlées que celles de Gucci, ou aussi désastreuses que certaines installations du musée Guggenheim de New York, mérite sans doute que le vocabulaire de l'espérance qui traverse notre colloque serve ici d'interpellation privilégiée. Il reviendra à M. Michael Edwards de l'Académie française et à Mme Nathalie Nabert, écrivain, poète, membre de notre Académie, de nous instruire dans la séance présidée par M. Alain Vergondelet, lui aussi membre de notre Académie. La raison philosophique, quant à elle, est sans doute la forme de raison qui s'est le plus inquiétée d'elle-même. À travers les lexèmes successifs et nombreux que sont le logos grec, la ratio patristique et médiévale, le principe de raison ou encore la raison avec un grand R, tout en laissant intact l'espace dessiné par le grand Pascal, je cite « là où le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Si de fait la raison philosophique a connu plusieurs âges, menant au XIXe et au XXe siècle à la raison herméneutique et à la raison phénoménologique, et si elle renoue depuis quelques années, après un temps d'éclipse, avec la raison métaphysique, malgré ou en dialogue avec la pensée analytique anglo-saxonne, le moment est attendu de savoir comment la raison philosophique originellement faite de savoir et de sagesse, de savoir dans la recherche de sagesse, fait aujourd'hui valoir sa puissance propre d'interrogation dans ses interlocutions avec les autres champs de rationalité. Donc il reviendra au professeur Jean-François Lavigne, philosophe de Montpellier, à Marie-Jeanne Coutagne, philosophe d'Aix, et au professeur Jean-Louis Baron, philosophe de Poitiers, tous trois membres de notre Académie, de nous éclairer sur les présentes, voire les nouvelles lumières de la raison dans la séance qui sera présidée par M. Michel Boyancé, doyen de l'Institut de philosophie comparée, membre institutionnel de notre Académie. Sur l'arc de ces rationalités, non moins la raison juridique, aujourd'hui malmenée dans ses prétentions universalistes, pourtant séculaires. Si le droit renvoie à la loi, positive et ou naturelle, il ne peut éluder la question des champs de référence qu'il lui faut traverser. L'apparition, ces toutes dernières décennies, d'un droit de type confessionnel, qui se sépare du droit civil, et qui d'ailleurs a distingué radicalement de ce que la théologie chrétienne appelle classiquement le droit canonique, pose un problème nouveau et inquiétant qui concerne l'articulation entre un droit fondé dans la communauté démocratique, un droit naturel et un droit religieux. Tous trois revendiquant un principe d'universalité. Comment donc le droit permet-il ou permettra-t-il la cohabitation de ces universalités à nouveau conquérantes? Je remercie Jean-Marc Sauvé, ancien président du vice-président du Conseil d'État, ainsi que le professeur Hugues Portelli, de nous éclairer dans la séance qui sera présidée par le professeur Théré, tous trois membres de notre Académie. Et enfin, et sans doute n'est-ce pas la moindre des interrogations, comment définir le moment actuel de la raison pédagogique? Si cette question interviendra en fin de colloque, c'est que, traversant tous les domaines de rationalité jusqu'ici évoqués, elle occupe une place à part. Voici encore un siècle,
le ministère de l'Éducation nationale, l'instruction civique, se prévalait d'une attention civilisatrice universelle. La transmission verticale de valeurs transcendantes, laïques, semblait y aller de soi. Mais au cours du dernier demi-siècle, la pédagogie a modifié sa géométrie en s'inspirant de l'exercice maïeutique, ce en contraposition regrettable, comme l'avait diagnostiqué Emmanuel Lévinas par Totalité infinie, 1961, en contraposition avec l'exercice d'enseignement. Or, depuis quelques années, on assiste à une nouvelle demande de transmission non seulement de savoir, mais aussi de valeurs ou de vertus liées aux impératifs de la vie civique. Comment est-elle tournant ? Que de nombreux indicateurs attestent, se négocie-t-il aujourd'hui ? Quelle pédagogie encourager devant le bilan des expériences pédagogiques, de leurs réussites et de leurs échecs ? Il reviendra à Mme Nathalie Bull du CNRS et à M. Jean-Noël Dumont, président de l'Association des philosophes chrétiens et membre de notre académie, de dessiner quelques lignes d'horizon dans la séance qui sera présidée par le recteur Dominique Vermersch de l'Université catholique de l'Ouest, que notre académie s'honore d'avoir également pour membre institutionnel. Au vrai, nous aurons atteint notre objectif si, en toutes ces contributions, nous posons la question du dialogue entre les disciplines et entre les rationalités qui les organisent, et que Benoît XVI aime appeler non pas l'interdisciplinarité, mais la transdisciplinarité, et qu'il nous a confirmé lors de la visite que nous l'avons rendue dans son monastère au Vatican, il y a un an, dans un message à l'intention spéciale de notre académie, message qui donc pour nous fait obligation. Je cite, « Chacun des savoirs doit aller au plus loin dans le domaine qu'il sert et sur cette trajectoire partagée, pratiquer une ouverture à la révélation religieuse. » Nous demanderons alors au professeur Yvonne Flou, vice-président de notre académie, co-organisatrice de ce colloque, de tirer à cette aune les premières conclusions de nos travaux. Donc, vous l'aurez compris, 10 ans après sa fondation, l'Académie n'a pas quitté l'éthos des commencements, et ce colloque anniversaire organisé sur une thématique exigeante, de fait, pourrait être considéré comme un événement charnière entre un jeune passé et le temps long des urgences planétaires, sociétales et ecclésiales qui s'annoncent. La robotisation généralisée, la création artistique, la crédibilité du discours théologique dont nous parlions, les fondements du droit, les directions de recherche en philosophie à l'heure de la post-vérité. Et enfin, pour nous ici, tout particulièrement, at last but not the least, l'alliance impérative entre la pensée et la sainteté, entre l'intelligence et la révélation, entre la vérité et l'agapé, l'alliance que traduit en effet notre devise « non intratur in veritatem, nisi per caritatem », on n'entre pas dans la vérité si ce n'est par la charité. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le chancelier, cher Philippe, mesdames et messieurs, chers amis. Je voudrais prendre avantage de la liberté et de l'amitié qui règne parmi nous pour gagner un peu de temps et vous prier de me dispenser du moment rhétorique requis de la captatio benevolentiae, votre bienveillance, je la suppose, acquise. Au risque donc d'encourir le reproche de brutalité, je formulerai d'entrée un diagnostic synthétique sur la situation de l'Église catholique aujourd'hui en Europe et spécialement en France. Il paraîtra tranchant, ce diagnostic, il voudrait être utile. Voici donc la proposition dont je partirai. Si la parole de l'Église est aujourd'hui souvent si embarrassée, partant si peu audible, c'est que notre Église n'est plus très sûre de son droit d'être et d'agir dans l'espace social. Et si elle est si peu assurée de son droit, c'est qu'elle ne sait plus comment formuler publiquement sa raison d'être. Agir et parler suppose en effet la confiance dans son droit d'agir et parler, qui suppose à son tour une conscience nette et vive de sa raison d'être. Si celle-ci est défaillante, alors toute la chaîne pratique s'affaisse ou se brouille. Le diagnostic tel que je l'avance ou le propose vise spécifiquement ou spécialement l'Église catholique, et je ferai en sorte d'en préciser ultérieurement les termes. Il est très important cependant pour mon propos d'ajouter immédiatement que ce diagnostic, ou un diagnostic analogue, pourrait être formulé à propos de la plupart des institutions ou des associations en lesquelles se distribue aujourd'hui notre vie commune.
non seulement de l'Église, mais de la famille, de l'université, de la nation. On pourrait dire à bon droit aujourd'hui qu'elle n'est plus très sûre de son droit d'être et d'agir, et que cette assurance lui fait défaut parce qu'elle n'a plus qu'une conscience faible ou brouillée de sa raison d'être. En ce sens, le diagnostic que j'ai appliqué spécialement à l'Église n'est qu'une spécification, un cas particulier d'un diagnostic, valable pour les diverses sociétés dont nous sommes membres et finalement pour la vie sociale dans son ensemble, telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. La raison d'être des principales associations censées nous réunir pour une œuvre commune, cette raison d'être nous échappe de plus en plus. La vie commune se vide de raison commune. Que s'est-il passé ? Ou que se passe-t-il ? Je vous proposerai, cette fois encore, d'ouvrir notre vieil Aristote et de tirer le fil de la double définition que nous lui devons et dont le pouvoir d'éclairement me semble intact. L'homme est un animal politique et un animal rationnel, un animal qui dispose du logos. On peut réunir et, pour ainsi dire, activer les deux définitions en disant « Vivre dans une cité, c'est rendre raison de ses actions ». Le père Philippe parlait de « rendre raison de son espérance ». Les animaux grégaires, abeilles ou fourmis, sont capables d'une division du travail aussi complexe que sûre, mais ils n'ont pas à rendre raison de leurs actions. Quant à nous, c'est notre fardeau, c'est notre honneur, il nous faut rendre raison. Ainsi, vivre en cité, c'est devoir joindre à l'action une parole qui donne une raison. Les cités, ou les régimes des cités, se distinguent alors selon la manière dont les paroles et les raisons sont attachées aux actions. Comment les choses se présentent-elles pour nous aujourd'hui sous ce rapport ? Comment caractériser l'état présent de notre régime sous ce rapport ? Je suis obligé ici de rappeler, le plus sommairement possible, de quelle dynamique politique notre régime est le résultat. On le sait, l'expérience cruciale de l'histoire européenne, le traumatisme fondateur, pourrait-on dire, ce sont les guerres de religion. Toute l'histoire de l'Europe moderne découle des guerres de religion et de la manière dont nous sommes sortis des guerres de religion. Prenons les deux points successivement. Les guerres de religion européennes sont un phénomène inédit dans l'histoire humaine. Leur caractère propre découle du caractère propre de la religion qui était en cause, la religion chrétienne. Quel caractère ? Je dirais les choses ainsi. Le propre du christianisme, ce qui fait que cette religion ne ressemble à nulle autre, c'est qu'elle est radicalement indépendante de toute société ou cité préalablement existante. Plus précisément, qu'elle apporte avec elle ou qu'elle suscite une société ou une cité qui est radicalement indépendante de toute association naturelle préalablement existante. Notre religion prend chacun dans la cité où il vit pour l'introduire dans une autre cité dont les ressorts sont tout différents. L'instrument d'une opération aussi singulière, c'est une parole radicalement nouvelle. Nouvelle par son contenu, aimez vos ennemis, comme par la manière dont elle se lie à l'action. L'association ecclésiale, produit et véhicule de cette parole, exige que celle-ci soit d'une exactitude inédite, afin de désigner, sans les fausser, les réalités divines auxquelles l'humanité doit se rapporter le plus fidèlement possible. Cette religion, agissant en particulier par ses sacrements, par des signes qui effectuent ce qu'ils signifient, elle réclame une attention extrême aux paroles sacramentelles. D'où un souci scrupuleux de l'orthodoxie et la crainte constante de l'hérésie. On mesure la perplexité et le désarroi de nos pères lorsqu'ils se trouvèrent en désaccord sur le sens à donner aux paroles les plus essentielles de la religion qu'ils partageaient jusque-là. Comme, par exemple et d'abord, « Ceci est mon corps ». On invoqua plus tard, vous le savez bien, un fanatisme qui serait propre à notre religion. Si fanatisme il y eut, il était étroitement lié au statut de la parole et aux scrupules que je viens de rappeler. En tout cas, ayant épuisé en vain toutes les inventions de la paix et toutes les cruautés de la guerre,
les Européens se résolurent à une démarche inédite. Ils élaborèrent un artifice tout à fait étonnant. Afin de trancher le nœud gordien d'opinions trop serrées, trop complexes, trop indémêlables et aussi trop dangereuses par les disputes qu'elles occasionnaient, ils entreprirent de construire, au-dessus de la société que ces opinions divisaient, un État sans opinion. Un État en principe sans opinion, un État tendanciellement sans opinion. En pratique, des hauteurs où il s'était installé, cet État décida d'abord de la religion de ses sujets. Mais une fois qu'il eut imposé sa volonté, soit en excluant les catholiques comme en Angleterre, soit en excluant les protestants comme en France, et qu'il eut habitué les sociétaires à vivre en paix sans trop se soucier de l'autre monde, il se rapprocha de son essence et se mit par là même en grand péril. Souverain parce qu'indifférent, mais souverainement indifférent, cet État se trouva bientôt devant un vide vertigineux. Comment le souverain pourrait-il agir judicieusement s'il est réellement sans opinion? Intervint alors l'autre grande invention politique moderne. Si l'État souverain était maintenant effectivement sans opinion, comment pouvait-il s'orienter? Nous connaissons la réponse, ce fut le gouvernement représentatif. L'État sans opinion allait puiser les opinions utiles, les opinions indispensables, ses raisons d'agir dans la société elle-même en organisant le gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif est la grande réussite de la politique moderne qui réussit à conjoindre deux mouvements opposés. D'une part, l'État s'élève au-dessus de toutes les opinions, de tous les contenus de la société, et d'autre part, parvenu au fait, il redescend dans la société pour puiser en elle ses raisons d'agir. On comprend que toute la vie politique moderne tourne autour de l'organisation du gouvernement représentatif et que les grands échecs de la politique moderne soit des échecs de la représentation. Nous vivons toujours, en principe, sous un régime représentatif. Notre État est censé puiser dans la société ses raisons d'agir. Pourtant, nous le savons, toutes les opinions ne sont pas pertinentes politiquement parmi nous. Toutes les opinions sociales ne sont pas des raisons d'agir pour l'État aujourd'hui. Les opinions religieuses en particulier ne saurait contribuer à l'élaboration de la politique du gouvernement ou du législateur. Elle ne saurait ni justifier ni récuser une mesure politique ou sociale, le principe de laïcité séparant rigoureusement commandement politique et commandement religieux. Or, il s'est produit dans la dernière période un phénomène étonnant. De plus en plus d'opinions sociales ont reçu le statut d'opinion religieuse ou quasi-religieuse et ont été exclues du cercle de la légitimité sociale et politique. Ces opinions ne sauraient intervenir légitimement dans le débat législatif. Elles ne sauraient constituer une raison commune d'agir. Elles ne sauraient contribuer à la définition d'une institution et, en général, d'une forme de vie commune. Quelles opinions, parmi nous, ont reçu ce statut que j'ai dit religieux ou quasi-religieux? Je serais tenté de répondre, étrangement, toutes les opinions sociales, je veux dire toutes les opinions qui donnent la raison de l'association et qui donnent une raison à l'association considérée. On dira comment est-ce possible? Comment pourrions-nous vivre en société si nous ne participions pas à toutes sortes d'associations? Nous participons en effet à toutes sortes d'associations, mais des associations qui, comme je le disais en commençant à propos de l'Église, ont perdu confiance dans leurs droits parce qu'elles ne parviennent plus à formuler publiquement leur raison d'être. J'ai mentionné la société conjugale, le mariage. J'ai mentionné la société que forme une nation. Les cas sont différents, mais ces deux types de sociétés, comme d'autres que l'on pourrait considérer, font face à la même difficulté de principe. L'État aujourd'hui ne veut prendre effectivement en considération qu'une sorte de droit, le droit de tout individu d'accéder également à tous les biens humains. Dès lors, les institutions, les associations dans lesquelles sont préservés d'abord son produit, ses biens humains, qu'il s'agisse de la famille ou de la nation, sont condamnées à une existence que je dirais inerte. Elles gardent leur nom, elles persévèrent dans l'être par habitude, mais elles sont privées de tout ce qui leur donnerait sens, raison d'être et finalité. Elles ne viennent en considération que lorsque des demandeurs
invoquent leur droit d'accéder à ces associations, d'entrer dans le mariage ou d'entrer dans la nation. L'association n'est pas autorisée à évaluer les mérites de la demande, selon les critères de l'association. L'incompatibilité éventuelle de la forme de vie du demandeur avec la finalité, donc la forme de vie de l'association, cette incompatibilité éventuelle ne saurait être prise en compte. Ni la famille, ni la nation n'ont de raison d'être propre qui l'autoriserait à exiger que le demandeur en tienne sérieusement compte. Celui-ci n'a donc pas de raison à fournir. Le seul droit parmi nous qui peut se formuler avec assurance, c'est le droit qui n'a pas à donner de raison, le droit de l'être humain désirant et faisant de son désir son droit. Ainsi, l'on mesure combien la place de la raison, la place des raisons communes, de l'argumentation en direction de raisons partageables, combien cette place a été réduite dans la vie européenne. Elle ne cesse pas de se réduire, alors que croît en force et en effronterie cette revendication d'un droit illimité qui n'a nul besoin de dire ses raisons, qui a toujours, si j'ose dire, plus que raison. Les raisons communes sont confinées dans la passivité des habitudes sociales qui ne sont plus autorisées à expliciter leur raison d'être. Il y a encore des familles, il y a encore des nations en Europe, mais elles ne peuvent se dire selon la raison du droit. Elles ne peuvent expliciter leur raison d'être car elles tombent aussitôt sous l'accusation de priver quelqu'un de son droit. Ce quelqu'un n'eut-il aucune envie de tenir compte de la raison d'être de l'association, ni même seulement de s'en informer. Si cette analyse n'est pas trop inexacte, quelles conséquences a-t-elle sur notre appréciation de la situation de l'Église ? On pourrait la dire rassurante pour l'amour-propre des chrétiens, ici des catholiques, puisqu'après tout, l'Église catholique, dans la difficulté qu'elle éprouve à se dire, à dire ce qui lui est propre, ne fait que partager le sort commun des institutions constitutives de la civilisation européenne. Cette analyse est cependant décourageante, puisqu'elle semble bien fermer aux chrétiens toute perspective d'action significative dans l'espace social. Peut-on aller au-delà d'une telle appréciation générale ? Comme les autres institutions sociales, l'Église persévère de plus en plus difficilement dans l'être, puisqu'elle est condamnée à l'inertie, à l'usure d'une habitude sociale ou à la rémanence évanescente d'une forme imprimée depuis des siècles dans la matière sociale. Or, l'institution qui est ainsi réduite à cette condition de passivité intervint et prit sa forme dans l'histoire européenne comme le véhicule indispensable du salut des hommes et qui réclamait pour cette raison sinon le droit de les commander en toute chose, du moins le droit et le devoir de mettre toujours sous leurs yeux, de manière active et efficace, l'urgence du salut dont elle était le véhicule. On ne peut pas laisser ce grand fait à la souvenance historique sans l'interroger. Quoi qu'on pense de ce que devrait être la place de l'Église dans la société européenne aujourd'hui, une chose me semble certaine. Elle n'y est présente encore que par la rémanence de sa forme commandante, de sa forme commandante. Je ne songe pas ici aux solennités romaines ni aux flèches des cathédrales. Je parle de l'association humaine que forment aujourd'hui encore les catholiques. Aussi accordée que soit la plupart des fidèles à l'état présent de la société, aussi résignée qu'ils soient au rétrécissement continu de la quantité catholique, si j'ose dire, dans la masse sociale, notre modeste Église, qui est aussi une Église modeste, vit de commander encore en quelque mesure à ses fidèles de tourner leur attention vers les grands objets de la foi, de les instruire avec exactitude des sacrements et d'encourager leur pratique des vertus théologales. Autrement dit, la vie de l'Église aujourd'hui, pour ce qui lui donne forme d'Église, ne diffère en rien d'essentiel de la vie de l'Église quand celle-ci exerçait un grand pouvoir politique ou du moins un grand pouvoir social. Ce qui diffère, ce qui a été largement perdu, je l'ai dit, je suis parti de là, c'est sa capacité à se dire et à formuler sa raison d'être à l'adresse du corps social de manière à être entendu par lui. Dès lors,
si l'on doit souvent déplorer le manque de prudence ou de bon sens du traditionalisme, il convient de relever l'injustice symétrique du progressisme. L'Église n'a d'existence et d'efficace que par sa forme traditionnelle ou par ce qu'elle garde de commun avec sa forme traditionnelle. Rien n'est plus nécessaire que de préserver cette forme. Si cette forme est devenue incapable de se dire de manière intelligible pour les hommes d'aujourd'hui, ce n'est pas en diluant ou en brouillant cette forme qu'on la rendra plus captivante. Les constituants du catholicisme sont connus, ils sont, oserais-je dire, intouchables. Le credo, les sacrements, la structure hiérarchique. Si nous ne savons plus expliquer aux autres sociétaires la forme de vie ainsi ordonnée, c'est que nous ne savons plus très bien l'expliquer à nous-mêmes. Ceux qui tendent à effacer ou affaiblir la règle, comme ceux qui voudraient la rétablir dans l'intégralité de ses formes anciennes, n'ont plus, j'en ai peur, qu'une conscience faible des raisons du commandement. La tâche qui est devant nous, c'est de comprendre et d'expliquer pourquoi et en quel sens l'Église est une institution commandante. La situation semble particulièrement peu propice, je l'accorde, pour développer cette explication. Jamais ordre humain n'a été plus hostile au commandement, jamais le commandement n'a été plus inintelligible aux hommes qu'il ne l'est aujourd'hui aux Européens. C'est précisément cette déréliction qui rend d'autant plus urgent de recouvrer l'intelligence du commandement. Quand le déclin du commandement ne met pas en danger seulement une institution tournée vers les réalités d'en haut, une institution qui, nous le savons bien, repose aux yeux de beaucoup de nos contemporains sur des représentations imaginaires, mais quand le déclin du commandement met en danger les institutions les plus naturelles et les plus nécessaires de la vie collective, alors l'effort pour ressaisir de manière persuasive les raisons de l'Église est inséparable d'un effort plus général pour ressaisir les raisons des institutions en général et du lien du commandement avec la raison d'être de l'institution. Dans le cas de l'Église, les commandements et les règles de l'Église ne sont pas un accessoire désagréable et plus ou moins facultatif de sa mission. Ils sont une expression directe de celle-ci. C'est en entrant dans l'obéissance que l'agent commence à se mettre en mesure de comprendre la proposition chrétienne. L'obéissance ici n'a rien d'une soumission mécanique, elle exprime cette puissance subjective par laquelle l'âme se rend capable de recevoir l'initiative divine. Dès lors, la parole de l'Église comporte nécessairement un appel à l'attention et une invitation à l'obéissance. Cela ne réclame ni rhétorique menaçante ou fulminante, ni reconstitution historique d'un décor autoritaire. Cela réclame d'abord de ne pas disperser la parole dans toutes les directions, sauf celle qui serait la seule nécessaire. Disons-le, c'est la disperser que de renchérir sur l'urgence écologique ou l'urgence humanitaire, qui, aussi urgente qu'elle soit, ne relève pas de la parole propre de l'Église. On comprend bien que ces deux urgences seraient exactement les mêmes s'il n'y avait pas d'Église ni de christianisme au monde. L'Église ne peut pas continuer de s'adresser au monde comme si elle n'avait rien à faire dans ce monde qui lui soit propre. Je m'exprime comme un observateur attentif à l'intégrité, au sens intérieur, à la finalité des institutions, et comme un chrétien qui attend anxieusement de l'Église qu'elle s'explique enfin ou à nouveau. Le rétrécissement de la part de l'Église dans la vie commune. Les signes, hélas, les plus manifestes de corruption, non pas seulement dans l'Église, mais dans le gouvernement de l'Église, ne laissent pas de place au doute. L'Église est aujourd'hui gravement atteinte dans sa capacité à constituer un pôle d'orientation morale et spirituelle en Europe. La tentation est donc grande dans l'Église, pour se faire pardonner ou se faire oublier, de multiplier les signes d'adhésion aux idées et sentiments aujourd'hui les plus recommandés,
Bref, d'aller dans le sens de l'opinion en comptant que l'opinion lui en saura gré. On ne regagnera pas le crédit perdu en congédiant ou affaiblissant encore les règles qui sont propres à l'Église et qui la définissent. C'est l'oubli de ces règles, non par faiblesse ordinaire, mais dans quelques secteurs de la hiérarchie, dans quelques pays, par un dessein délibéré de s'en dispenser et d'installer l'indifférence à la règle et le mépris de la règle au cœur de l'institution ecclésiale, qui est la cause de la gravité de la crise présente. On ne surmontera pas la crise en se hâtant de déclarer l'Église portes ouvertes et en accordant un droit de visite à qui le demande ou prétend l'exiger. L'Église ne saurait laisser saccager son intégrité d'institution pour prouver sa bonne foi. Ce qui prouvera sa bonne foi, c'est la fermeté et la justice avec lesquelles son gouvernement intérieur fera respecter la règle. L'Église est aujourd'hui menacée d'une déchirure fatale entre, d'un côté, la réviviscence d'un progressisme qui n'a rien retenu des déboires qui ont suivi le Concile et veut dissoudre le corps ecclésial dans une humanité sans forme ni destination. De l'autre, l'appel à une sorte de sécession catholique qui espère, contre toute expérience, retrouver pureté et authenticité en resserrant le cercle de l'entre-soi. Seul l'effort sobre et sincère de l'Église pour expliciter sa raison d'être pourrait à la fois redonner sens et force à la règle intérieure et permettre d'adresser au monde une parole propre et singulière. Les termes de cette explicitation sont connus et fixés depuis 2000 ans. Ils sont présents et actifs dans la vie de l'Église, spécialement dans ses sacrements. Mais comment les faire entendre à nouveau ? Nul n'ignore où est le centre de la proposition chrétienne, qui tient en deux phrases : nous naissons esclaves du péché, seul Jésus-Christ nous délivre d'une misère que lui seul nous permet de mesurer. Ces propositions n'ont jamais été aisées à entendre. Pourquoi sont-elles spécialement inaudibles parmi nous ? La flatterie est la maladie particulière des régimes démocratiques. Socrate le soulignait. La flatterie se glisse sous chacun des arts dont elle prend le masque, la rhétorique et la sophistique prenant le masque de la justice et de la législation. La parole publique en Occident aujourd'hui n'est plus qu'une continuelle, une immense, une débordante flatterie qu'aucune pudeur n'arrête. Tous les désirs, avec leurs droits, reçoivent les applaudissements de l'humanité entière, et malheur à qui oublie d'applaudir. Si l'Église est à ce point repoussée dans les marges, mais si en même temps elle continue d'exister dans sa forme, c'est qu'elle refuse le plus souvent d'applaudir ses fantômes de justice. Oserais-je le dire pourtant ? L'Église aussi, les catholiques aussi, se laissent aller parfois à la flatterie. J'ai eu l'occasion déjà de relever la confusion très dommageable que l'Église encourage trop volontiers entre la compassion humanitaire et la charité chrétienne. En tout cas, si l'Église veut faire entendre à nouveau sa raison d'être et prendre elle-même et en prendre elle-même une conscience plus vive, il n'y a pas d'autre chemin que de renoncer entièrement aux œuvres de la flatterie. Nous sommes emportés, de bons observateurs le répètent, par une liquéfaction de toutes les institutions. L'Église ne l'arrêtera pas. Il lui reste à ne pas se laisser emporter par elle. Ce recentrement sur sa raison d'être propre, sur son commandement propre, qui est le commandement nouveau donné par le Christ lui-même, ce recentrement, c'est son service pour le monde. Je vous remercie.